Fin de l'omerta. Après la publication du livre de Camille Kouchner La Familia Grande, dans lequel elle accuse Olivier Duhamel d'inceste sur son frère jumeau Victor, ce dernier a décidé de finalement porter plainte contre son beau-père, il y a plusieurs jours. Un ouvrage retentissant, à propos de ces violences sexuelles, qui se sont passées il y a maintenant plus de 30 ans. Et même s'il y a aujourd'hui prescription des faits, la justice a toutefois été saisie et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour viol, agression sexuelle par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et viol et agression sexuelle par personne ayant autorité. En effet, les enquêteurs en charge de l'affaire laissent cette enquête ouverte au cas où des victimes potentielles voudraient elles aussi se manifester, rapporte le Parisien, tandis que de nouvelles auditions sont prévues dans les prochains jours, comme celle d'Olivier Duhamel. Victor Kouchner, ainsi que sa sœur Camille, ont quant eux déjà été entendus par la police, tout comme leur frère aîné Julien, qui a récemment remis en cause la thèse du suicide de sa tante Marie-France Pizier en 2011. Une plainte symbolique pour Victor Kouchner tandis qu'aucune confrontation n'est prévue entre Olivier Duhamel et Victor Kouchner, celui-ci a fait savoir par l'intermédiaire de son avocat qu'il avait décidé de déposer plainte après des années de silence, et de peur de remettre en cause son équilibre professionnel et familial, pour une raison symbolique. Comme l'indique une source informée dans Le Parisien, l'état d'esprit du fils de Bernard Kouchner n'est plus tout à fait le même, Victor considère que les raisons qu'il avait poussées à ne pas porter plainte n'existent plus à expliquer la source à nos confrères avant de poursuivre depuis la publication du livre de sa sœur, l'histoire est sur la place publique. Il vient fermer la boucle.